Oui. דבר אחד, אני מצטער לפני נשים והנשים מדברים עברית, כי זה קשה בשבילי לדבר עברית, אני מדבר צרפתית. Monsieur le grand rabbin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, les organisateurs de ce concert de musique juive d'Alsace m'ont fait le grand honneur de me demander de présenter les différentes œuvres qui vont être interprétées. Je vais essayer de me montrer digne de cet honneur. Nos familles, nos amis ont été ébranlés en France dans les derniers temps, dans les derniers jours. Si l'on évoque les profanations du cimetière de Quatzenheim et du monument des déportés d'un cimetière de Lyon, si l'on évoque les vociférations antisémites subies par le philosophe Alain Finkielkraut, malheureusement, cette énumération n'est pas exhaustive, n'est de loin pas exhaustive. On l'a encore vu aujourd'hui à Paris. C'est pourquoi la chorale Ramataïm et son chef Shavet Zion Richard Shavet Zion ont tenu à marquer leur solidarité avec les Juifs de France en interprétant, accompagné par Aviva Stanislavski, la pianiste titulaire, en interprétant un chant intitulé Achen. Avant de laisser la chorale Ramataïm et son chef interpréter cette air, je vous prie de bien vouloir faire comme moi, c'est-à-dire de mettre votre téléphone soit en veilleuse, soit de le fermer. Comme ça, nos choristes et nos chazanim ne seront pas dérangés par des sonneries intempestives. D'autant plus que le concert est enregistré. Amen.
Je viens de demander les dernières instructions à notre cantor. Il vient de me les donner, ce qui me permet de vous dire et de vous annoncer qu'il va chanter Matovu dans une composition d'Ephraim Rovinsky selon la tradition de Colmar. Je viendrai dans un instant sur Matovu. Ensuite, il interprétera Mikamocha selon la tradition de Brumat et Shira Hadasha sur une mélodie qui se chantait en Alsace le jour de la Brit Mila. Et enfin, Vaidaber et le Kaddish des trois fêtes selon la tradition de Agno. J'ai parlé il y a un instant de Matovu, composé par Monsieur Ephraim Rovinsky. Cela me touche d'autant plus que j'ai bien connu Monsieur Ephraim Rovinsky Zichrono Livracha, qui était pendant de longues années le Chazan de Colmar. Il avait étudié le chant à l'Opéra de Vienne. Et je puis vous dire, et je ne suis pas seul à pouvoir le dire dans cette salle, puisque son petit-fils Eli Kula est également parmi nous, Eli et moi pouvons dire que Ephraim Rovinsky avait une voix puissante. Elle était aussi puissante que sa bonté d'âme. Thank you.
Iskadar, Iskadar.
en écoutant Claude Venel chanter notamment le Matovu, je me revoyais quelques dizaines d'années en arrière lorsque M. Rovinsky allait chercher les jeunes mariés sur le parvis de la synagogue de Colmar. Les portes étaient grandes ouvertes, les trois grands lustres étaient grands allumés, et c'était à l'époque, à ce moment-là, véritablement une fête pour tout le monde. La fête continue, puisque maintenant, nous allons écouter En Kamocha et Vayoi Pinsoa de Sulzer, dans sa version originale. Ensuite, nous écouterons Zaharti Lach de Lewandowski. Ce sera la chorale et avec un soliste, Boaz Wultz. Boaz Wultz. Et après, nous écouterons Tov Leodot de Lewandowski. Qui ont enregistré. Ça ne dérange pas qu'on enregistre, mais j'ai pas envie de l'entendre pendant qu'on chante, s'il vous plaît. Merci. Oh.
ben rahanon vata beret nim shuvoy bakomi olaim reim tishma enthousiasme communicatif, messieurs. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Yaalé de Lewandowski, selon la tradition strasbourgeoise, avec la participation, venez messieurs, n'ayez pas peur, avec la participation de Josie Gatterer et de Daniel Grossman. Vous remarquerez lorsqu'ils se seront tournés vers vous qu'ils ont tous les deux une cravate bleue. Puis, Al-Al-Khet, pot-pourri de différents airs chantés en Alsace. Et enfin, Tavo le Fanecha de Lewandowski, selon la tradition de la synagogue de la paix. À vous, messieurs. Oh.
explication, mais précision pour la fête, je vais bien sûr pas chanter toute la série de Kippour. On a simplement pris, j'ai simplement pris les airs principaux, et donc tous les versets ou tous les deux versons selon ce que la musique exige, on va changer d'air. On commence, bien sûr, il y a au milieu le fameux Alchet que tous les Alsaciens connaissent et que vous attendez sûrement, mais on va commencer par des airs qu'on chante à la synagogue de Strasbourg, on va continuer par des airs qui se chantent ailleurs en Alsace, on va aussi après basculer sur le Alchatouim, en prenant comme air ce qui se chantait, parce qu'aujourd'hui je crois que ce n'est plus le cas, mais ce qui se chantait dans ma jeunesse à Strasbourg avec le Chazan et la chorale. Et je terminerai les Al-Khatouim sur un air que M. Bertrand Joseph, qui était Khazan à Strasbourg pendant de longues années, a introduit depuis des années et que depuis, à part Michel Heimann, je ne l'ai plus jamais entendu. Et on terminera bien sûr par le Al-Koulot. Et je voulais remercier Jean-Marie Audibert, parce qu'il n'est pas évident de mettre du Al-Khait de la campagne en musique, et il a réussi à faire ça. Chechotonu lefonecho ve'onesu ve'otzon ve'alchei chechotonu lefonecho me'ayimu Oh.
Le pot-pourri que tu as chanté tout à l'heure était extrêmement émouvant. Merci. Et nous a, aux uns et aux autres, rappelé des souvenirs non moins émouvants des Yom Kippour que nous passions dans nos communautés d'Alsace. Et maintenant, nous allons écouter, interprété par Claude Henel et par Bernard San. Où est-il Bernard San? Ah, il est là. Bernard San, Chazan honoraire de la grande synagogue de Zurich. Donc, Claude Henel et Bernard San vont interpréter le Rosh Hashanah de Naumbourg, puis nous entendrons des extraits de la Megillat Purim de Lewandowski selon la tradition de la synagogue de la paix. Et enfin, nous écouterons le Yor Kaddish avec les différents airs de l'année juive. Thank you.
pas tout amené, mais juste un petit modèle. C'est le temps pourri. C'est le temps pourri. Il n'est pas trop pourri, mais c'est bon. Bien. Ich, Yehudi, oh, Yehudi.
arrivons au dernier morceau prévu du programme de ce concert. Et bien sûr, je voudrais adresser rapidement quelques remerciements. J'avais préparé un texte, je vous dis franchement, je l'ai oublié chez moi. Ça devait être l'émotion. Pardon ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc je voudrais d'abord remercier, je vais le faire en anglais pour la chorale. I want to thank the choir and Richard Chavez-Sion for for learning pieces they have never sung before and which I hope I will have the pleasure to sing a little sometime. Donc je les remercie pour avoir appris spécialement ces morceaux. Je voulais remercier Jean-Marie Audibert, bien sûr. Et je tiens à le dire, même s'il va rougir, il est venu gracieusement, on lui a juste offert le billet d'avion. Voilà, je voudrais aussi saluer et remercier Aviva Stanislavski. Vraisemblablement réentendre dans un petit instant, puisque après le morceau Venez Emma, que tu vas annoncer dans un instant, c'est le morceau qui habituellement clôturait, il y a de longues années, tous les concerts à Strasbourg. C'était le morceau qu'on chantait à la fin des concerts. Mais après ce morceau, pour faire le lien entre l'Alsace, et puis nous sommes quand même ici à Jérusalem, j'ai demandé à Richard Chavez-Sion de choisir lui-même un morceau supplémentaire. Il a choisi la chorale avec quelques autres solistes, va chanter un medley qui a été composé à l'occasion du 50e anniversaire de Jérusalem. Donc pour l'instant, Pierrot, je te laisse le manche, comme on dit. Oui. Ben, mesdames et messieurs, c'est dommage, c'est déjà la fin. Mais je suis persuadé que nous aurons encore d'autres occasions d'écouter ces chazanim, d'écouter cette chorale à Makela Azé, à Makela Azé. Merci à vous toutes et tous d'être venus soutenir le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, institution institution ô combien nécessaire, n'est-ce pas Michel, n'est-ce pas Barbara Veil. Merci à Claude Honnel. Merci à la chorale Ramataïm, Kota de Makela Ramataïm, à son chef Richard Chavez-Sion, à Aviva Stanislavski, à Boaz Wult. Nos remerciements vont également à Jean-Marie Audibert. Plus de Claude Hennel depuis quelques dizaines d'années, si je ne me trompe. Merci aussi à Bernard San. À Josie Gatterer. Et à Daniel Grossman. J'espère n'avoir oublié personne. Si d'aventure je devais avoir oublié quelqu'un, que ce quelqu'un veuille bien accepter mes excuses, mais et nous souhaitons une très belle soirée après avoir
écouter, d'une part, venait ma de Refeld qui était dans la tradition de la synagogue de la paix, et après avoir écouté le dernier morceau à medley qui a été choisi par le chef de la chorale. J'ai assez parlé, il faut les écouter chanter. Yerushalayim, nach Brazil, Bahasol.
Thank you.
C'est bien. 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 C'est bien.